et la mondialisation, certains imbéciles, je répète trois fois, certains imbéciles, ils pensent que la mondialisation s'était créée avec les gens d'aujourd'hui. Certains d'autres, ils sont encore cons, ils pensent que le monde est géré par les juifs. Certains d'autres, ils pensent que le monde est géré par les francs-maçons. Certains d'autres, ils pensent que le monde est géré par le sionisme. Non, mes amis, c'est fini. Ça, je l'avais déjà dit, je vous répète. Non plus, ni les juifs, ni le sionisme, ni le franc-maçon, ils ne gèrent plus le monde. La mondialisation moderne, c'est une autre chose. Et j'en avais déjà parlé, vous devez aller écouter. En plus, islam, pétrodollar, le mot pétrodollar et le mot islam politique, c'est des inventions, la création de David Abbassi que j'ai utilisé pour la première fois dans les années 78, 79, 80. Le mot pétrodollar et le mot islam politique et beaucoup d'autres mots. Grâce à cette radio, grâce à mon ami Didier Doplé, j'ai lancé sur ça, mais dans mes écritures aussi ça existe, sur l'Internet aussi, vous savez, ça existe. Voilà, c'est-à-dire même la mondialisation d'aujourd'hui, ce n'est pas celle qui était avant. Le pétrodollar musulman, surtout par exemple Arabie Saoudite, il a un rôle assez important dans cette nouvelle mondialisation. C'est pour ça que ce n'est pas juif. Sortez ça, cette idée raciste, antisémite, vous sortez de votre tête. Ce n'est pas les juifs qui actuellement, non, avant, on ne parle pas, voilà, laisse tomber. Nous sommes en 2022, David Abbassi, il vous confirme que le nouveau mondialisation, ce n'est pas ni juif, ni franc-maçon, ni sioniste. Alors, c'est une autre chose, et en plus, il y a beaucoup de dirigeants de la mondialisation qui sont contre l'Israël. Ça, vous ne le savez pas, voilà, je vais vous dire. C'est pour ça que même Israël, il est en train de vacciner, vous savez combien. Mais c'est pour ça que même quand vous écoutez le patron de la mondialisation, il fait des actes contre Israël. Allez-y sur l'Internet, cherchez. Cherchez sur l'Internet. Les Juifs, ils considèrent le patron de la mondialisation contre Israël. Alors vous êtes dans vos idées de dernier siècle, même pas le 20e siècle, parce que nous sommes dans le 21e. 19e, 18e siècle, c'est terminé. Un autre monde qui a commencé, ça a déjà commencé depuis le chute du Shah d'Iran. Ça a commencé. Après, ils ont préparé. Au départ, il y avait certains dirigeants des pays musulmans qui sont résistés. Qui n'ont pas fait comme Shah d'Iran. Shah d'Iran, il a pris la fuite, il est parti du pays, pays à la main des islamistes, et ils ont avancé. Mais par exemple, le roi de Maroc, les Algériens, le roi de Jordanie, président d'Irak, ces gens-là, ils ont massacré les opposants, ils les ont tués, même Hafez Assad en Syrie, et ça a retardé de 40 ans. Le nouveau mondialisation. Ça, je ne peux pas vous dire ici, il y a énormément de choses. Ça, même si je veux dire dans une université, il faut créer un doctorat pour ça, que je parle pendant plusieurs années, 1 heure, 2 heures, 3 heures par semaine. C'est tellement vague, mes chers amis. Pour ça, vous ne savez pas énormément de choses qui passent dans le monde et vous dites, ah, vaccin, je vais être contrôlé par les juifs. Non, même les juifs, eux-mêmes, ils sont victimes. Même les francs-maçons, ils sont victimes. Allez-y, faites des recherches, s'il vous plaît, parmi les morts à cause de coronavirus dans le monde entier, qu'ils soient les États-Unis, la Russie, en Europe, combien de grandes patronnes de franc-maçonnerie, grandes maîtres, étaient morts dedans. En Israël, nous, exemple, c'est Israël. Écoutez au moins les informations d'Israël. Pour ça, vous devez savoir, mes chers amis, le nouvel ordre mondial, ce nouvel ordre mondial, le nouveau globalisme, ça, c'est tout à fait différent. Et vous devez aller écouter mes émissions précédentes. J'en avais parlé énormément. Vous devez mettre 10 heures, 15 heures pour l'écouter. Vous avez l'archive de la radio ici maintenant.
Et je félicite mon cher ami président Didier Doplech et je le souhaite bonne année 2022. Grâce à Didier Doplech, vous avez appris énormément de choses. Et si vous n'avez pas, si vous n'avez pas la totalité dans l'archive de la radio ici maintenant, moi j'ai une archive de mes émissions radio et télévisées en trois langues. En français, en arabe et en persan. En persan, j'ai plus de 5000 émissions de vidéos. Vous tapez sur Google David Abbassi, et sur YouTube, oh, vous en avez tous. Il y a des sections réservées pour mes émissions français. Vous allez écouter, j'ai expliqué tout ça avec des preuves, des documents, avec des paroles des individus. Des paroles, certains s'étaient effacés, certains d'autres restent, vous pouvez écouter, vous devez enrichir votre savoir, vous devez changer votre tête, penser moderne. Fin du monde est arrivé. Fin du monde, c'était l'ancien monde avant, avec nouveau monde, que c'est le digital, qui règne, c'est un autre monde qui a commencé. Didier, il vous avait diffusé Fin du monde, une émission de 1 heure et quelques minutes. Ça aussi, de nouveau, vous devez écouter. Dans cette émission, il dit, même il y a déjà 7000 ans, il y avait une civilisation digitale, comme digitale d'aujourd'hui, mais c'était disparu. On ne sait pas comment. C'était d'Arabie Saoudite d'aujourd'hui, Nyon. Vous savez, City, Nyon, qu'on est en train de le créer en Arabie Saoudite. Ça, presque, je vais vous dire, presque c'est Arabie Saoudite qui est le chef actuellement, le patron de Nouveau Monde, de globalisme. Vous voyez, c'est les Arabes, surtout Arabie Saoudite. Cette garçon qui jouait au PlayStation, au jeu Patati Patata, qui est presque le roi, c'est lui. Le nouveau mondialisation, c'est une autre chose. Vous devez faire des enquêtes, des recherches, sortez de chez vous, même si vous êtes chez vous, allez-y, cherchez, vous allez trouver. Le monde n'est pas comme avant. Voilà, 08 92 23 95 20, on ne peut pas tout dire dans quelques minutes. Faites des recherches, mes chers amis, changez vos têtes, il faut changer de tête. Moi-même, j'ai changé ma tête beaucoup, hein. Grâce à Didier Doplech, mon ami. J'ai connu l'Internet dès l'année 1994. Didier, pour moi, c'était comme un dieu. Puisque dès que j'ai connu l'Internet, Bernard, je vais te prendre tout de suite alors. Dès que j'ai connu l'Internet, ma vie a été changée depuis 1994. Et toujours j'étais up to date. Alors mes émissions en plusieurs langues, vous pouvez aller sur YouTube.com, vous tapez, après vous mettez / Meher TV. Meher TV, c'est très facile. Il y en a un H pour Meher TV. M comme maman, E comme étoile, H comme Hélène, par exemple, Meher, SRR comme Raymond à la fin. YouTube.com, Meher TV. Après, vous choisissez, il y en a plusieurs milliers des émissions en plusieurs langues, vous choisissez FR, français, vous écoutez les émissions, j'ai donné beaucoup des explications à ce sujet depuis 2020. Bernard, bonsoir. Et bonne année, cher Bernard. C'est un autre Bernard. Hein. Oui, on vous écoute, cher Bernard. Bonne année, comment allez-vous? Bonsoir, monsieur Abbassi. Est-ce que vous m'entendez bien? Excellent, monsieur Bernard. D'accord. Mon cher donc, Bernard. J'étais déjà intervenu sous un autre nom, mais ça vous avait mis sur une fausse piste. Donc, j'emploie le nom Bernard pour intervenir ce soir. Alors, je voulais. Ah non, tu as triché. Comment? Tu as triché. Ben, j'ai pas triché, mais la dernière fois que j'avais dit un autre mot, non, 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 écoute bien. Écoute, quand je parle, je devais fermer ton microphone. Voilà. Fermer le microphone de Bernard. Bernard, j'ai dit ça. J'ai dit toi, tricher avec T. Tricher, c'est-à-dire quand tu ne donnes pas ton nom seulement pour David Abbassi et pour la radio, il dit maintenant. Tu triches, ce qui n'est pas bien. Je vous écoute quand même. Allez, vas-y. Oui, c'est bon. D'accord, ok. C'est un. Alors, je voulais. Moi, il y a une chose que je ne comprends pas, en fait. Tous les gens en France, dans notre pays, qui ont voulu se faire vacciner,
ont reçu les doses de vaccins qu'ils jugeaient nécessaires. Est-ce qu'il y a des gens qui n'ont pas eu assez de vaccins, qui ont manqué de vaccins? Tous ceux qui ont voulu se faire vacciner ont été effectivement vaccinés. Il reste 6 millions de personnes qui ne veulent absolument pas se faire vacciner. Alors, moi, la question que je me pose, c'est que ces gens qui ne veulent pas se faire vacciner, ils ont décidé qu'ils ne se feraient pas vacciner, ils ont pris leurs responsabilités vis-à-vis d'eux-mêmes, et peut-être ces gens-là, tous ceux qui veulent se protéger du virus, ont pu se faire vacciner. On les a pas, les gens qui ne se font pas vacciner, ils les empêchent pas de se faire vacciner. Dès lors, pourquoi nous, les gens qui ne voulons pas nous faire vacciner, on ne nous laisse pas mourir tranquille? Pourquoi vous ne nous laissez pas mourir tranquillement? Parce que nous, si on était 6 millions de gens à mourir, eh bien la France irait beaucoup mieux, ça résoudrait le problème du chômage, puisqu'il y a 6 millions de chômeurs en France. Alors là, ce que je comprends pas, c'est l'énervement des gens qui veulent obligatoirement nous pousser à nous faire vacciner, de nous traiter de déserteurs, d'assassins, de criminels. Certains traitent les anti-vax de cons. On va pas répéter. On va pas répéter. Mais j'ai une question, s'il te plaît. Par exemple, toi, tu veux pas être vacciné. Oui. Est-ce que tu peux me dire, s'il te plaît, pourquoi tu ne veux pas être vacciné, s'il te plaît? J'ai 71 ans, monsieur Abbassi. J'ai eu attrapé le Covid au mois de juillet. Et je suis ici en train de vous parler en ce moment. Donc je ne suis pas mort. Déjà, c'est une bonne, c'est une explication à laquelle, pour laquelle je vous dis que c'est pas se vacciner ou mourir. On peut aussi ne pas être vacciné, attraper le Covid et rester vivant. Alors maintenant, je voudrais vous répondre. Non. Oui, allô? Oui, je vous écoute, allez-y. Vous allez m'en répondre. Qu'est-ce que ça veut dire, monsieur Abbassi? Est-ce que vous pouvez m'expliquer ce que ça veut dire conditionnel? S'il te plaît, je te pose une question, tu m'as répondu, après je suis là pour te répondre. Je te dis pourquoi tu ne veux pas être vacciné? Alors, la réponse, c'est conditionnel. La signification du mot conditionnel, ça veut dire qu'il n'est pas certain, qu'il dépend de certaines conditions. Ce vaccin a reçu de la part de l'autorité de sécurité du médicament une autorisation conditionnelle. Ce n'est pas une autorisation définitive parce qu'elle n'a pas franchi toutes les étapes qui peuvent aboutir à une autorisation définitive. Définitive, c'est le contraire de conditionnel. Elle n'a pas encore eu l'autorisation définitive de mise sur le marché. Écoute. C'est ça que je viens de te dire, tu ne m'as pas écouté, c'est moi que je te dis ça, en plus c'est moi que j'ai dit ça il y a déjà un an et demi, ça je le sais, c'est pas la peine de répéter. Mais s'il te plaît, on est face à face, tu me réponds, laisse tomber conditionné par conditionné. Alors tu ne m'as pas répondu. Deuxième question que je vais te poser, est-ce que tu sais au moins, est-ce que tu connais le virus corona, tu le connais ou non? Est-ce que tu sais que si tu attrapes ce virus, et il y a 100% le risque que tu le donnes aux autres personnes, s'il te plaît. La réponse, je crois qu'elle est claire et nette. Je te demande une réponse claire et nette. Monsieur Abbassi, je ne téléphone pas pour répondre à vos questions, mais pour faire passer quelque chose que j'ai envie de faire passer, sinon ce n'est pas la peine. Merci, je t'embrasse, c'est la troisième fois qu'il te vient sur l'antenne. Philippe, merci, au revoir. Alors, déjà, je te remercie beaucoup de venir de nouveau. Imaginez-vous, mes chers amis, je suis votre copain, votre ami, David Abbassi. Je ne suis pas un tatatitat. Déjà, j'ai dit au départ de mon dialogue avec notre ami, que je ne vais pas citer son nom, puisque c'est lui-même qui l'a dit, qu'il a changé de nom pour pouvoir parler. Avec l'individu, il triche sur son radio, parce que c'est ton radio aussi, hein, c'est votre radio. C'est vrai que c'est Didier Deplech qui a tout le...
douleur de cette radio depuis plus de 40 ans. Mais c'est votre radio, c'est votre vie, vous écoutez cette radio. Tu vois, pour pouvoir parler et dire n'importe quoi, parce que ce que tu dis, ce n'est pas ni rationnel, ni répondre aux questions conditionnelles. Moi, je te pose des questions. Vous voyez, déjà après, mon cher ami, tu triches, tu mentes. Mon cher ami, avec tout le respect que j'ai pour vous, bonne année, toutes mes meilleures voeux. Vous êtes un menteur. Vous mentez pour prendre la parole et dire n'importe quoi. Je vous prie, mon cher ami, encore bonne année, de te regarder dans ton miroir. Et les autres aussi qui t'aiment, parce qu'il y a des gens peut-être qui t'aiment, qui pensent comme toi, mais ils ont une chose que tu as fait. Comme je dis à Abdel, quand il a dit les gens qui ne vont pas être vaccinés, il faut sortir d'ici, toi, même j'ai critiqué Abdel sur certains points. À toi aussi, je vais te dire ça, mon ami. Toi, qui tu triches pour venir sur l'antenne. Ça, c'est pas gentil. Je veux pas dire d'autres mots. C'est pas gentil. Et personne n'a pas le droit de te défendre dès maintenant, puisque tu as triché. Tu as menti. C'est quelqu'un qui ment officiellement. Même les gens comme vous, vous savez, c'est, ça me fait rappeler les islamistes des années 80, 90, 2000, qui lui-même, il savait qu'il parle dans l'air. Mais puisqu'il était dans la mosquée, il devait nous appeler, il parlait. Vous aussi, peut-être, vous avez été vacciné vous-même. Hein. Après, vous voulez seulement parler, vous voulez contester, vous voulez sortir la haine que vous avez contre ça. Par exemple, ce que je viens de dire concernant la mondialisation, tout ça, et vous devez aller réfléchir pendant un mois, après vous revenez. Mais vous revenez avec un autre nom et toi-même en plus tu dis, parce que tu sais que si tu le dis pas, moi je le sais, même standard c'est vous. Vous êtes menteur et vous venez sur cette antenne pour démentir d'autres personnes. S'il vous plaît, regardez-vous dans le miroir. Mes chers amis, encore je vous souhaite bonne année pour toutes et tous, meilleurs voeux. C'était premier samedi de l'année et premier samedi du mois de janvier que je suis avec vous, tous mes respects. Mais vous savez, voilà, je vais vous apprendre quelque chose maintenant. Maintenant, c'est l'université de David Abbassi au Radio ici maintenant qui va commencer. Voilà. Je vais vous apprendre quelque chose que vous ne savez pas. Vous avez entendu que le printemps d'Arabe a commencé. Beaucoup de vous, vous avez joué dans ce printemps d'Arabe. Mais vous ne savez pas comment ça a été commencé. Pourtant, vous avez écouté cette radio. Cette radio, vous avez écouté. Vous voyez, de temps en temps, il y a certains qui ne captent pas ce qu'il fallait. Pourquoi? Puisqu'il vient de dire des choses que moi-même, je viens de dire il y a déjà deux minutes. Je vais dire ça. Il y a certains qui vont venir dire ce qu'ils veulent. Venez avec grand plaisir, si vous avez la parole, mais ne mentez pas. Être menteur, c'est pas bien. Alors, ce que je vais vous apprendre ce soir, c'est le printemps arabe, comment ça a commencé. Printemps arabe, c'est vrai que ça a commencé à partir de la Tunisie. Mais M. Bouaziz, qui s'est fait brûler, c'est lui qui l'a fait brouiller. Tous mes respects pour l'âme de cet individu martyr pour la liberté de la Tunisie qui est tombée dans le piège des islamistes, Rachid Benghanouch. Mais il y avait un ministre de la Défense, ministre du service de renseignement de Habib Bourguiba. C'est lui qui l'avait ramené au pouvoir, Zine al-Abidine Ben Ali. Ben Ali, c'était son élève presque. Lui, il va prendre cet individu, il le ramène dans l'armée, dans le service de renseignement. Après lui, il va prendre le place, il devient président. Et ce monsieur qu'il avait monté, il va être obligé de quitter la Tunisie. Et il était en France depuis des années, depuis que Ben Ali est venu. Il s'appelle monsieur le ministre Ahmad Ben Nour. Ahmad Ben Nour, c'est un ami. Je le connais depuis une trentaine d'années. Plusieurs fois, il venait aux Champs-Élysées me voir, etc., etc. Il aidait les étudiants, tout ça. Écoutez ça, c'est très important. Cette partie-là, très importante. Peut-être la totalité de notre interview, vous ne pouvez pas l'écouter. Vous allez sur le YouTube de David Abbassi. Vous tapez youtube.com/mehrtv. Il y en a un H pour Mehr. Vous voyez, Mehr TV. Vous allez écouter la totalité. Mais cette proposition, au lieu de
obligation. On est là, de temps en temps, si on ne pense pas comme les autres, on propose des choses. Il ne faut pas imposer des choses. On propose des choses. De l'autre côté, on ne va pas obliger les gens. Comme vous pouvez constater, même l'État, il n'oblige pas. Il n'y a pas d'obligation. C'est proposition. Là, bonsoir, aucun doute, n'oubliez pas. David Abassi, il va vous répéter. Moi, j'étais parmi les premières personnes que je vous ai dévoilé énormément de secrets concernant cette affaire-là depuis 2020, dès le premier jour à ce jour-là. Je ne suis pas bête, je connais tout, et même peut-être je connais encore beaucoup d'autres choses que je ne veux pas vous dire, parce que voilà, mais ça sera bien d'être vacciné, puisque c'est quelque chose que ça va continuer. Je vous dis une chose, en vérité, le corona, ce n'est pas un invité qui est venu qui va partir avec 3-4 vaccins. Non, c'est quelque chose qui va rester et vous allez vous adapter avec ça. Notez bien ce que je vous dis ce soir. Corona, la vaccination concernant le coronavirus, ce n'est pas un invité pour quelque temps, mais qui va partir. Non, il va rester. Vous aurez après 3e, 4e, 5e. Ne vous inquiétez pas, faites-le. On n'a rien à cacher. On n'a rien à... Vous savez, dans ce monde-là que nous vivons, je crois que vous avez entendu. Depuis déjà le 22, mais c'est déjà, nous sommes dans le 12e jour du mois de janvier, puisqu'il est vite, minuit, vite. Voilà, et vous avez la parole. Bernard, si tu écoutes David, David, il te conseille d'être vacciné, mon ami, et, puisqu'on voulait écraser l'ancien monde. L'ancien monde s'est terminé, le nouveau monde s'est commencé. Malheureusement, je ne peux pas vous donner des explications dans une, deux, trois, dix émissions parce que...